de la technologie de Bujumbura. Je voudrais présenter mes sincères remerciements au ministère des Télécommunications, de l'Information et des Relations avec l'Assemblée pour avoir soutenu notre initiative. Comme vous le savez, la foire de l'informatique et de la technologie de Bujumbura arrive à la deuxième édition dans l'organisation de ce genre d'activité et le ministère des Télécommunications, de l'Information et des Relations avec l'Assemblée nous a accompagnés tout au long de ces activités. Si vous voyez monsieur le représentant du ministre ici présent, c'est effectivement pour pouvoir manifester encore une fois tout le soutien qu'ils nous ont témoigné. Sans lui prendre beaucoup de paroles, je vais inviter monsieur le secrétaire permanent du ministre de venir vous présenter le mot qui lui a été donné par monsieur le ministre. Merci monsieur le représentant. Mesdames, messieurs, les opérateurs TIC, mesdames, messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Pour la deuxième fois consécutive, le ministère des Télécommunications, de l'Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement a l'honneur et le désir de prendre part ce matin aux travaux de lancement de la deuxième édition de la foire de l'informatique et de la technologie de Bujumbura, organisée par trois organisations. Academia Network, Place Burundi et Burundi Eco dans les enceintes de l'école primaire Stella Matutina. Il y a une année, jour pour jour, Academia Network et Glace Burundi organisaient les mêmes événements au Palais des Arts et de la Culture de Bujumbura sous le parrainage de notre ministère. Comme vous le savez, le ministère des Télécommunications, de l'Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement a dans ses attributions plusieurs missions, dont celle d'appuyer, de développer les technologies de l'information et de la communication et de proposer des programmes de formation au bon monde. Le thème de la fin de cette année étant les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service du développement durable. Le ministère des Télécommunications, de l'Information, de la Communication et des Relations avec le gouvernement a besoin de quoi trouver tout son intérêt et se devait de soutenir cette bonne initiative. Rappelons que l'ouverture de cette foire précède d'autres activités non moins importantes, à savoir une conférence de presse annonçant la foire tenue le 9 juillet 2014, une conférence débat sur le thème de l'année tenue le 15 juillet 2014, cours gratuit en informatique pour 40 jeunes avec deux modules dont le web design et le graphisme tenu du 29 au 30 juillet 2014. Je voudrais alors profiter de cette occasion qui m'est offerte pour présenter aux organisateurs de la présente foire Academia Network, Glace Burundi et Burundi Eco mes sincères remerciements pour avoir organisé et mené jusqu'au bout toutes ces activités et les encourager très vivement de joindre leurs efforts à ceux des exposants pour rappeler et montrer les avantages et les opportunités de l'informatique et de la technologie dans divers secteurs de la vie d'une nation. Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de la foire, Mesdames, Messieurs les exposants dans les stades, vous aurez sans doute
à accueillir au cours de ces 4 jours, dans vos différents stands, des visiteurs provenant de divers secteurs de la vie nationale et ayant des domaines variés. Je vous exhorte d'être à leur écoute et de leur montrer en quoi vos communes peuvent changer progressivement leur vie avec des impacts positifs sur le plan social, économique et professionnel. Comme l'année passée, nul doute que cette foire sera une formidable vitrine pour vous, les exposants, de faire connaître plus et mieux, vulgariser et pourquoi pas vendre vos produits et services utilisés et par voie de conséquence vous permettre de comprendre et d'anticiper les besoins utilisés des consommateurs du marché local et pourquoi pas de la sous-région. La tenue de la présente foire arrive au moment où le réseau fibre optique est entièrement opérationnel. D'aucuns s'attendent à plus de fiabilité, plus de disponibilité et moins de paquets, leurs coupures de communication et la réduction sensible des prix de communication pour les utilisateurs finaux. Je puis vous assurer que c'est là l'une de nos préoccupations principales et que le ministère ne ménagera aucun effort pour y apporter des réponses adéquates. Mesdames, Messieurs les opérateurs TIC, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, je ne saurais clore mon propos sans remercier toutes les entreprises qui ont spontanément répondu à l'invitation de participation à la foire dans sa 2e édition. J'encourage fortement d'autres entreprises de la place, comme les banques, les assurances, de s'ouvrir aux autres notamment à cette plateforme et de se joindre à cette heureuse initiative pour les éditions à venir. Au public burundais de Bujumbura comme celui de l'intérieur du pays, et de façon particulière la jeunesse, nous les exhortons à profiter de cette période de vacances pour répondre nombreux à cette foire afin de se rendre compte des diverses opportunités offertes par l'informatique et la technologie qui sont en perpétuelle évolution. Je remercie également tous les intervenants et plus particulièrement les médias qui mettent les couchers doubles pour la réussite de cet événement. Je les exhorte de ne pas se lasser et de continuer d'assurer une large couverture de la perspective de la promotion des TIC au Burundi. Encore une fois, tous mes remerciements à tous les initiateurs de ce grand rendez-vous et je souhaite plein succès aux exposants qui auront à répondre aux différentes sollicitations du public. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la 2e édition de la foire de l'informatique et de la technologie de l'information. Vive le TIC au Burundi, je vous remercie. Monsieur le secrétaire permanent, a coupé le ruban et ensuite a procédé à une visite d'estande. Principalement, il s'agit de l'Internet. Comme vous le savez déjà, nous sommes le premier fournisseur d'accès à l'Internet dans notre pays. Et avec le temps, on a évolué. On a suivi avec la technologie. Merci.
GLM a travaillé avec Great Lakes et Shiraham, société IHA, et qui est à l'échelle de ce site est divisé, alors site Pajima, Great Lakes, Games, Nous avons aussi notre produit de téléphone, nous sommes les produits comme Guiza ici, ça c'est le système électronique de transfert des unités. Donc il y a aussi un bonus de 100% qui est sur le produit, donc c'est disponible chez les distributeurs.